Oh là, ça sent bon le café du matin, ça. Oh oui. Alors, 14h sur la 14. Donc, 8h sur la 9. Les 73-51 de 14 km, 33-01, Rémi. Attends, pédale un peu plus vite, allume la chaudière derrière, parce que là c'est assez QRP là, de mon côté là. Si, attends, je vais compenser avec le volume et je vais le monter bien à la moitié, on va bien voir. Alors j'ai cru comprendre que tu me parlais de vidéos. Vas-y, dis-moi. Putain, mais là c'est coton. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à te sortir. Alors, tu me parles de vidéo. Je suis en train de regarder sur YouTube. Je vois pas tes vidéos là de ce côté-ci. Enfin, je vois pas tes vidéos en ligne. Ah, tu l'as pas encore fait, donc c'était ça que tu me disais. Ah, c'est clair que être en QSO et puis envoyer des vidéos à côté, c'est pas évident. On n'est pas multitâche, hachis trois coups. Soit on est en QSO, soit on est à travailler les vidéos. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. Voilà, il y a des stations FM là derrière. Là, tu m'es arrivé à Santiago de 1 par là, mais là, ça a de suite été surmodulé sur la fin par les stations FM. Putain, la vache, j'ai du mal. Hein. Là, j'ai du mal. Hein. J'ai compris, il faut que tu ajustes un peu. J'ai pas compris. Alors attends, que je regarde. Je retourne là sur la chaîne YouTube. Non, c'est pas encore. Je vois pas encore là de mon côté. Ouais, c'est très petit, petit, oui. T'as répondu à quelqu'un d'autre, là? Là-bas, j'ai du mal à. Là, c'est coton. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. Oh ben, j'ai perdu mon idée, quoi. C'est con, ça. C'est ballot, ça. J'ai une idée. Alors, que je fasse ça. Tac. Alors que je mets.
ça et ça comme ça. Tac, allez, qu'on peut rajouter ça. Ok, voilà. C'est comme tu veux, là, je viens de me connecter sur la salle de réunion 2.0, là, d'Étalon. Donc, je ne sais pas, suivant ce que tu veux me dire, si tu as besoin d'aide, dis-moi. Vu que là, c'est coton, c'est vraiment très, très QRP, là, je suis directement là sur la salle de réunion, si tu veux. Ouais, ben ouais, là tu m'es bien sorti, là. Là, je sais pas, là il est 14h15, ouais, peut-être que tout à l'heure ça ira mieux. Ah, je suis toujours là, je suis toujours là. Ah, ben. Ah, tu m'as pas demandé si j'étais toujours là? Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a parlé? Ouais, c'est peut-être le. Je sais pas. J'ai cru que tu m'avais demandé si j'étais toujours là. Bon, tout à l'heure, il y a eu l'île de la Réunion qui est passée, ceci, cela, ben justement sur cette fréquence-là. Et j'ai vu, il y a des vidéos qui ont été partagées, même de ce que j'ai entendu là ce matin. Là, j'ai vu ça tout à l'heure sur les groupes. Mais bon, l'Italie que j'ai entendu aussi, mais bon, ça s'est arrêté là, quoi. J'ai pas entendu grand-chose d'autre. J'entends par morceaux de mots, c'est coton là. C'est coton. J'ai du mal à comprendre ce que tu me dis. Sinon, là, je suis toujours connecté là sur la salle de réunion des tenants, là, Gilles. Si tu veux m'expliquer, me dire quelque chose, que ce soit plus clair, c'est comme tu veux. Puisque là, la Sibylle, c'est pas évident là pour le moment là. C'est vrai que là, la propague, là aujourd'hui, c'est pas ça. J'espère qu'on aura mieux tout à l'heure, mais bon, là, pour le moment, c'est pas trop ça. Sinon, pour tes vidéos, si tu as besoin d'aide, dis-moi ça via la salle de réunion. Je comprendrai mieux de ce côté-là. Voilà, j'ai réussi à te comprendre malgré tout. Et c'est vrai que là, c'est pas top, là. C'est pas ça. On a connu mieux, hein. Puisque, il n'y a pas longtemps, tu m'arrivais à Santiago 9, 9 plus 20 même. Mais là, aujourd'hui, là, c'est moyen-moyen, hein. Ok, ben là, moi, ça a été 100% aussi, là. Là, c'est monté à Santiago 3, 4. Qu'est-ce qui est meilleur?
Je sais pas. Tu me demandes si, si j'ai bien compris, tu me demandes si quelque chose est meilleur. J'ai pas compris. Alors là, pour l'instant, le poste, il est froid. Donc là, bon, je te clarifie un petit peu plus, puisque là, je suis même carrément sur 27.624.5 au niveau du clarifieur. N'importe quoi. 27.625.95. Voilà, donc 5 kilos, ouais, 500 Hz en dessous. Qu'est-ce que... Oh, je sais plus, oui, c'est ça. Merde, je sais plus ce que j'ai vu. Non, 50 Hz en dessous. Je sais plus. Donc là, on voit bien qu'il est froid le poste. Alors, c'est au niveau du micro que tu me demandes. Je sais pas, j'ai pas compris. Le DSP, j'ai pas trop le temps de rechercher là de suite. Je m'y colle de suite. Voilà, je suis en train de lancer là, une recherche. Alors, je regarde ça de suite là. Je te dis ça de suite. Là, je suis en train de faire une recherche. J'ai fait une recherche un peu plus large en mettant simplement la marque. Alors, j'ai mis dans Google BHI, Bravo Hotel India, et DSP à côté, Delta Sierra Papa. Voilà, et là je suis en train de faire une recherche directement là-dessus pour voir sur d'autres modèles, parce que j'ai l'impression que c'est le modèle que j'ai, là il n'y est plus. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose peut-être de mieux qui est sorti depuis. Bon, alors j'ai trouvé deux filtres de la même marque BHI, voilà comme le mien, DSP, hein, c'est les filtres DSP. Bon, ils ressemblent au mien. Le mien, il est vertical. Ceux que j'ai devant les yeux, c'est horizontal. Les fonctions dessus, je les reconnais. Je te mets les deux liens en message perso, là, je te mets ça sur Messenger. Hop là, désolé. Voilà, oui, je t'ai mis les deux liens là. Waouh, tu m'as fait une pointe à 5-6 là. Toi, c'est en train de monter là. Ouais, donc là, pour le filtre de la marque BHI, filtre DSP de marque BHI, voilà, là, je t'ai mis deux liens là. C'est comment, j'ai pas compris. Non, mais ce qui est chiant, c'est que c'est pas sur le Canada, quoi. Ça, par contre, c'est chiant. J'aurais préféré te trouver ça directement sur le Canada. Et dommage que comment c'est déjà le pro du CB ou je sais plus. Dommage que lui, il a pas ça, quoi. Voilà, et il peut pas te le commander directement sur le site officiel BHI. Voilà, il doit pouvoir te faire ça quand même. Il te le commande et puis voilà. Tellement que pour comme ça, peut-être que eux ils ont ça,
Ah, voilà, parce que là, c'est sûr que là, il te faut ça rapidement. Là, c'est clair, hein. Là, je comprends largement. Là, du côté des oreilles, là, je sais de quoi tu parles. Un chi trois coups. C'est comme moi, là, quand j'écoute des fois des QSO en FM, je peux te dire que j'ai pas intérêt à y rester longtemps parce que ça, je me retrouve vite avec de l'acouphène, ouais, dans les oreilles, hein. C'est hautain. Une fois, je me souviens comme ça, j'étais en QSO là sur la France, sur le sud-ouest de France. Il y a des stations qui font un QSO là quasiment tous les soirs sur le 30 FM. Alors je les avais suivis le temps de la route au pro. Ah putain la vache, quand je suis arrivé là-bas au pro, j'ai eu un espèce de bourdonnement dans les oreilles qui m'a duré toute la nuit, quoi. C'est tout juste si j'arrivais à comprendre ce qu'on me disait, quoi. Oh aïe 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 aïe, au secours! Donc là, oui, oui, je sais que là, pour moi, en tout cas, là, ce filtre DSP, il est obligatoire, hein. Donc, j'imagine que pour toi, là, maintenant, c'est pareil aussi, quoi. Ah, j'entends quelqu'un derrière qui parle en parallèle. J'en profite pour dire, les aléas de la propague, eh bien c'est ça quoi. On ne gère rien, c'est complètement aléatoire et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pour certains, ça peut paraître chiant, pénible de pas toujours bien comprendre quand la propague n'est pas au top. Mais bon, c'est le jeu. Je rigole parce que dans ma tête, j'ai fait la suite de la phrase en disant c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors lui, par contre, il est là. Oui. Là, ça pue cela. Où son poste commence à chauffer un petit peu aussi. Ah. Alors j'ai profité de l'occasion, vous voyez là je joue avec les clarifieurs. Donc sur le poste, j'ai le bouton qui est ici là qui me permet d'enclencher le clarifieur. Voilà. Je saute sur l'occasion au niveau du mode. Bon là évidemment on est en longue distance, en DX. Donc le choix du mode évidemment est obligé là d'être soit en USB ou en LSB pour pouvoir se comprendre. Mais on serait en AM. Que j'aurais pas besoin d'utiliser le clarifieur. Ce serait forcément bon. Pour une sortie environ de 100 000 de marque.
On arrive à mieux le comprendre par rapport à ta... Il a dû toucher son micro. Pour le groupe des tenants, puisque tout à l'heure je parlais là d'une salle de réunion, donc pour le groupe des tenants, quand vous allez sur le groupe là sur Facebook, vous avez en épinglé hein, une salle de réunion 2.0. C'est gratuit. Il y a juste à mettre ce que l'on veut. Et cliquer sur se connecter. On prend pas d'argent dessus. Et c'est en visioconférence. Hein. Donc on peut être 5, 10, 15, peu importe. Alors c'est pas de la radio, c'est sûr. Mais ça peut donner la main pour passer des explications, montrer des captures d'écran et tout et tout et tout. Alors avec Gilles, on s'en est déjà servi et j'ai pu le, on a pu l'un à l'autre se montrer des trucs et tout comme ça aussi facilement à l'écran comme si on était l'un à côté de l'autre quoi. Ça navigue, ça se balade en fréquence. Il n'est pas évident à clarifier. Ah, il est à l'ouest de Montréal. Ouais. Pointe Calumet. À côté du parc de Oka. Ouais, 6 heures. Il doit avoir du QRM. I met you. Okay, let's go.
Oh, ça doit être Bernard de la Belgique. Alors, ça doit être 16, Papa Lima, 38. Ouais, ça doit être ça. 16, Papa Lima, 38. Ouais, affirmatif. Alors, j'ai pas entendu Bernard. J'imagine que c'est toujours le même, celui de la Belgique. Les 73-51, lui. Voilà, j'ai. Zut, qu'est-ce que j'ai dit ça doit être 16, Papa Lima, 38, je crois. Zut. Alors, attends que je regarde ça vite fait. que je l'ai perdu. Ouais, ça doit être ça. Oui, voilà. 16 Papa Lima 38 de Belgique. Non, je n'entends toujours pas. Les bonnes sont 13-51 lui. L'autre station que tu as eue juste avant, je l'entendais très QRP de mon côté. C'était à peine audible. Hein. Et en plus de ça, bon, il était un peu plus en fréquence. Donc de mon côté, je jonglais un peu là au niveau du clarifieur. Mais j'ai eu énormément de mal à le sortir. Hein. C'était vraiment très QRP de mon côté. Hein. Bon, en tout cas, c'est dommage que Bernard, j'arrive toujours pas à l'entendre. Là quand même, je le vois là sur le groupe, mais je l'entends toujours pas. Hachi trois coups, donc les bonnes 73-51 à lui retourner. Ok, ben c'est bien lui, c'est bien ce qui me semblait. Ok, tout ça à nouveau retourné, hachi. Ah, attends, vas-y, redis-moi. Ah là, j'entends bien une station parler. Je crois que c'est la station que tu avais tout à l'heure, avant 16 Papa Lima 38. Il me semble que c'était l'autre station que tu avais avant. Là, du coup, j'ai la confusion. Je ne sais plus si c'est l'autre station de tout à l'heure ou si c'est Bernard que j'entends très QRP dans le lointain.
Alors, si j'enlève le filtre DSP, ouais, ah ben j'étais. On entend vaguement parler, mais c'est même pas la peine. Quoique là, on ne comprend pas plus non plus, mais bon, il y a le bruit des parasites dans les haut-parleurs en moins quand même. Poste, il est chaud. Gilles, ton poste, il est bon, là. Mais si, c'est peut-être Papa Liba 38 que j'entends, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Thank you.
Il n'y a plus personne? Non, c'est moi. J'ai dit, tu n'as plus personne? Ils ont osé te laisser seul. En plus, dans le sous-sol, avec les souris et tout ce qui s'ensuit. Ah, ils sont pas gentils, hein. Ah, plus sérieusement, ton sous-sol, il est vraiment bien aménagé, hein. Là, t'as vraiment bien fait ça. Là, c'est du travail de professionnel, hein. J'ai ton sous-sol. Là, c'est vraiment du travail de professionnel que tu as fait, là. Et puis, vu comment est installé le matériel et tout, je suis sûr que la NASA va t'envier, là, sur le coup. Ah, son sous-sol, bon, depuis quelque temps. Ah, son sous-sol, il se l'est entièrement aménagé. Bon, il est propriétaire, hein, maintenant, hein, donc le problème est réglé. Il s'est entièrement aménagé et c'est sympa ce qu'il a fait. Et pourtant, là, tu es monté à Santiago 5, là, maintenant. Hein. Oui, là, c'est du Santiago 5. Hein. C'est comme quoi, tu vois, là, ça a quand même remonté. Ah, j'ai compris! Là, on est en plein dans un couloir et à tous les coups, tu as laissé les portes du couloir fermées. Jean ou Jacques? Non. Non, non. J'entends qu'une grande gueule là sur la fréquence. C'est la tienne. Non, non, je l'entends pas du tout. Bon, sur le coup, c'est la poêle qui fout du chaudron. Ah. Alors. Non, j'ai pas plus. Faire des essais là en visio entre deux ordinateurs. Tu t'es marché sur le pied, Gilles? J'ai entendu aïe 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 aïe. Ça vient de moi ou la propague est tombée là?
Bon, je vais faire un petit tour, je vais bien voir. Là, par contre, ils sont tous agglutinés sur le 385. Bon, est-ce que... Ah non, ça passe pas. Si. Ah zut, j'ai vu que tu allais écrire. Bon, d'accord, là tu es en train d'écrire. Ah, je suis trop cool. Ah, c'est trop ça. On voit pas la Siby. Mais là, moi, sur l'écran, je te vois en train d'écrire. Ah, je suis trop cool. Attention à ne pas faire tomber le café sur le téléphone.